un peuple assoiffé. Il n'a pas l'intention d'entrer en 2018 avec le cœur chargé. Parce qu'un cœur chargé, quel que soit le dépôt de Dieu, s'il y a un cœur chargé, il y a une fissure, il y a une fuite. Un cœur blessé, c'est un cœur qui a une fuite. Il y a une fuite d'amour, une fuite de paix, une fuite de joie. Même s'il remplit, la fuite va vider. Mais nous n'entrerons pas en 2018 avec des cœurs blessés, avec des cœurs offensés, avec des cœurs amers. Nous entrerons libérés. Le feu ne sera pas volé. L'amour ne sera pas dérobé. Le témoignage ne sera pas dérobé. La grâce ne sera pas piquée. La grâce ne sera pas banalisée. Ah ah ah. Ah 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 ah. Ce sont des soupirs inexprimables, appuyés par le Saint-Esprit. Ah ah ah. Ah 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 ah. Ça résume beaucoup de mots. C'est un cri du cœur, un soupir inexprimable. C'est le soupir pour l'Église, pour passer à une nouvelle dimension. De dimension en dimension, de splendeur en splendeur, de beauté en beauté, d'éclat en éclat, ah, au plus profond de nous. Ah, 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 ah. Sakali mama tele le mama la rosa. Eh 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 eh. Ah, c'est une manière de dire père. En fait, je ne sais pas trop quoi dire. Je suis comme un âne dans le temple. La Bible dit qu'elle murmurait seulement. Elle ne parlait pas à haute voix. Elle ne faisait que murmurer. Mais pour Dieu, elle disait beaucoup de choses. À travers un seul soupir, elle était en train d'écrire une histoire à Dieu. On a donné dans la bouche, mais son cœur était en train de dire à Dieu: si tu me donnes un enfant, si tu me visites, je témoignerai, je te donnerai la gloire, je ne la garderai pas. Ma vie ne peut pas rester là où elle est. Je ne peux pas garder l'amertume, disait Anna. Je refuse de garder la frustration. Je refuse de garder les offenses de Pénina. Je refuse de garder la rancœur. Pénina me fait mal, mais il faut que tu m'exauces. Il faut que tu me délivres de cette amertume. Il faut que tu libères ma vie. C'est un soupir pour l'Église. C'est un soupir pour nos vies. C'est un soupir pour être changé. Chez les mamayas, les allons, c'est que les mamayas, les imprimons-nous un cœur nouveau. Imprimons-nous un cœur nouveau, imprimons-nous
Un cœur nouveau. Imprimons-nous ton peuple. Je ne prie pas que pour moi. Je prie pour ton Église. Nous prions pour les frères et les sœurs. Même pour ceux qui ont trop amassé, accumulé. Imprimons-nous. Ô Père, nous te prions. Un cœur qui passe le scanner de la parole de Dieu. Un cœur qui, lorsque la parole de Dieu juge les sentiments et les pensées et les émotions, le scanner dit agréable à Dieu. Le scanner dit pensée de Christ. Le scanner dit sentiment de Christ. Tu peux passer. Tu es qualifié pour être la demeure de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Imprimons-nous. Imprime un cœur nouveau au Père, un cœur trouvé agréable à Dieu, un cœur trouvé humble, un cœur trouvé docile, un cœur obéissant. Imprime-nous. Prépare-nous pour le dépôt que tu as déposé. Les années précédentes, tu avais fait, tu as beaucoup fait. Mais à cause de ces trous, à cause de ces offenses, à cause de ces blessures, à cause de ces scandales dans nos cœurs, beaucoup ont été volés, dérobés. Mais nous n'entrerons pas en 2018, non. Avec les anciens cœurs, avec des fuites dans le cœur, non, Père. Tu peux le faire en nous. Oh, je vois une église qui se prépare à aller dans une nouvelle dimension. Je vois pour cette troisième semaine qui vient, une nouvelle dimension qui sera activée. Mais Dieu est en train de nettoyer, afin que le dépôt ne soit pas volé. Afin qu'il n'y ait pas de fuite, il n'y ait pas de fuite dans les cœurs. Dans ta maison, de nouvelles dispositions de cœur, plus de cohabitation, plus de tolérance envers les mauvais sentiments, les mauvaises émotions, plus de place pour la chair avec ses passions et ses désirs. Plus de place. Par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses. Tout commence par le cœur. Le cœur, c'est l'âme. Tu ne peux pas aller au-delà de ton âme. Tu ne peux pas prospérer au-delà de ton âme. Dieu ne peut pas faire au-delà de ton âme. Si Dieu fait, ça sera volé. Il y aura une fuite.
Voilà pourquoi il dit, garde ton cœur. Je veux remplir, je veux divorcer, je veux déverser, mais garde le cœur. De la folie attachée au cœur de l'enfant. Ça veut dire que la folie frappe régulièrement à la porte de ton cœur. La folie de l'offense, la folie de l'amertume, la folie de la légèreté, la folie de la familiarité, la folie de la désobéissance, la folie du péché. C'est une folie. Chakalanera. Nous allons élever la voix. Ces deux premières semaines ont été des semaines de prière où le Saint-Esprit veut nous faire prier. Parce que sans la prière, rien n'est engendré. Il n'y a rien d'acquis. Tout est possible par la foi, mais aussi par la persévérance. La persévérance, c'est une forme de prière. Sans la prière, Dieu ne peut pas intervenir. Voilà pourquoi les hommes doivent prier pour permettre à la main de Dieu d'être étendue, pour permettre à ses compassions d'être déversées, pour lui permettre de faire irruption dans les affaires des hommes. Il faut la prière, faite selon sa volonté. Nous allons tous ensemble implorer Dieu pour l'Église. Nous allons dire au Seigneur, nous ne voulons plus les choses du passé. Nous ne voulons plus les divisions du passé. Nous ne voulons plus les blessures, les rivalités, les offenses mutuelles du passé. Nous ne voulons plus servir. Nous ne voulons plus des instruments entre les mains du diable pour nous diviser les uns les autres. Père, nous t'implorons, imprime un cœur nouveau, un cœur rempli de ton amour, un cœur rempli de ton humilité. Par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses, fais-le en nous, fais-le au milieu de nous, fais-le à l'intérieur de nous. Élevons la voix. Nous prions pour l'Église. Nous ne prions pas pour Boissy. Nous prions pour l'Église. Nous prions pour un Impact Saint Chrétien. Nous prions pour le corps de Christ. Ah, nous t'implorons. Aïe, lele, la bala, chale, le bros. Yé, le babaros, lele, la bala. Yé, le babaros.